Thank you, Professor Shilari. I just wanted to tell you, with the permission of the chair, that we'll be very happy to have scholars from Senegal and maybe thank you very much. Nous allons appeler le professeur Bafazan Kobafab de l'Université des Américains de l'Iran. Il va nous parler des. C'est-à-dire, c'est vrai que les termes sont un peu complexes, mais les méthodes spectroscopiques, pour vous donner une idée, lorsque vous allez à l'hôpital pour faire un IRM, c'est une méthode spectroscopique, c'est-à-dire qui provient de l'interaction entre la matière, les cellules de l'organisme et un rayonnement électromagnétique. Et cela permet, donc, dans le domaine de la santé, lorsque vous faites des radios, lorsque vous faites un IRM, lorsque vous faites un scanner, c'est une méthode spectroscopique appliquée à la santé. Lorsqu'on veut analyser l'eau, savoir s'il y a quel type d'éléments il peut y avoir dedans, également les méthodes spectroscopiques permettent de déterminer les différents composants, notamment les polluants qui sont dans l'eau, dans les aliments, dans les produits de l'élevage, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire. Donc si vous allez dans les usines, par exemple, qui fabriquent certains aliments, régulièrement vous avez des analyses d'échantillons pour connaître leur composition.